dans le cadre de la semaine intensive adressée à la quatrième année territoire durable. Nous avons le plaisir d'accueillir, c'est particulier pour moi, je suis un peu émue, c'est mes amis. Bien, donc le thème c'est territoire durable. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons l'immense plaisir d'accueillir des amis. Hakim Chakraoui, directeur de l'ENA de Tétouan, architecte et actif dans la recherche, plusieurs publications, et puis il dirige une école très dynamique. Nous avons l'immense plaisir de le recevoir aujourd'hui, en espérant recevoir après ses études. On a ensuite Jean-Pierre Frey, architecte sociologue, professeur des universités et auteur de plusieurs ouvrages et plusieurs articles. Et aussi mon cher professeur, il était dans l'encadrement de thèse de doctorat. Donc vous avez la chance d'avoir pratiquement un cours sur l'histoire de l'urbanisme avec Jean-Pierre Frey et avec Hakim Chakraoui. C'est le cas de Tétouan. Je pense que c'est les parties oubliées de Tétouan. Je suppose que vous parlez de patrimoine général et le patrimoine du XXe siècle de Tétouan. Donc merci d'avoir accepté d'animer ces conférences et je vous passe la parole, Monsieur Frey. Alors le rapide exposé que je vais vous faire va s'appuyer sur un PowerPoint que j'ai fabriqué il y a déjà quelques années lors d'une semaine du patrimoine au Maroc. J'avais été consenti. Et donc, c'est une histoire très particulière. Je sais que l'enseignement de l'urbanisme auprès des architectes, dans les écoles d'architecture, est quelque chose qui est peut-être un peu trop sommaire par rapport à une formation qui existe spécifiquement en urbanisme dans l'université française. Alors, il se trouve que moi, j'ai enseigné une bonne 45 ans, notamment à l'Institut d'urbanisme de Paris, qui était à Créteil, et qui est la première institution de formation des urbanistes en France, comme vous le verrez tout à l'heure, à partir du lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors c'est un exposé qui est à la fois très général, donc il s'adresse à un large public, et en même temps contient des informations plus précises et spécifiques à l'approche de l'urbanisme, comme on dit, pour un public plus érudit. Alors je fais évidemment la différence entre l'histoire urbaine, qui est celle de l'ensemble des villes et des populations qui s'agglomèrent dans un certain nombre d'agglomérations qui changent de nom, de la taille, vous verrez, de l'histoire de l'urbanisme qui est celle des compétences particulières d'une catégorie de professionnels qui se sont intitulés d'urbanistes, qui d'ailleurs continuent à le faire d'une façon quelquefois contestable, dans la mesure où se disent urbanistes des gens qui n'ont pas été spécifiques en urbanisme, et les gens qui ont fait des études d'urbanisme qui ne sont pas forcément autorisés à porter des titres officiels d'urbanisme de l'État en France. Alors mon exposé se fera en 5 grands chapitres. Le premier, une réflexion générale sur ce qu'on appelle la ville et sur ce qu'on appelle l'urbanisme. Alors la ville, c'est évidemment une concentration d'activités qui donne naissance à ce qui, à l'heure actuelle, correspond à des sites archéologiques, puisque les premières villes apparaissent vers 7000 ans avant Jésus-Christ et n'ont cessé de se développer avec les diverses civilisations sur la planète. On en retrouve des restes quand même assez intéressants. Bien évidemment, si vous avez Athènes, rien. Ça, je crois que c'est à Nîmes, ça c'est à Athènes, évidemment, là, comme ça. Alors, ce qu'on appelle ville correspond à des agglomérations de taille différente qui vont de ce qu'il y a de plus restreint, qui s'appelle hameau, et car après, ça dépend un petit peu des régions en France, qui font une cinquantaine d'habitants, donc c'est juste quelques noyaux familiaux agglomérés. Le stade au-dessus, c'est le village, ensuite le centre, bourg, la paroisse, etc. Donc vous avez une partie rurale, c'est plutôt le village, et une partie urbaine, c'est la paroisse ou un quartier. À partir de 50 000 habitants, on considère qu'on est dans ce qu'on appelle véritablement ville. Ça correspond aussi, du point de vue de l'aménagement du territoire, à un pays rural,
tout cas en type de population. Au-delà, on est dans autre chose qui apparaît à partir du 20e siècle, essentiellement, à savoir métropole, hôpital, mégalopole, conurbation. Donc ça va d'une petite agglomération à des villes avec une formalisation facile à identifier jusqu'à ce qu'on connaît à l'heure actuelle, à savoir des entassements d'immeubles qui restent à monter en fait. Il sera un problème que je soulignerai tout à l'heure. Globalement, dans chaque cas de figure, on peut considérer que la ville est la projection en somme de l'ensemble des rapports sociaux. C'est en tout cas le point de vue qu'ont adopté un certain nombre de sociologues et de philosophes pour interpréter cette agglomération de... Cette phrase a été reprise assez abondamment par Henri Lefebvre, qui est un philosophe marxiste et qui a été l'un des fondateurs de la sociologie urbaine française. J'y reviendrai un petit peu plus. Alors, ce qui se passe quand même depuis quelques années, c'est que ces agglomérations tendent à atteindre des tailles considérables. Et que plus de 37,8 millions, c'est des chiffres qui datent de 2010, donc ça n'a pas cessé de progresser. Et l'idée que j'ai, c'est que, aussi bien pour les conurbations que les métropoles et les mégalopoles, dans le fond, on a des difficultés à se saisir de l'image globale des cités parce que ça échappe finalement les formes simples qu'on avait l'habitude de considérer et qu'on a encore en mémoire. Les premiers historiens de l'urbanisme ont fait l'effort d'identifier les formes simples d'agglomération. Ce que vous avez sur la partie gauche, donc on peut reconnaître par exemple ici une ville fortifiée par Vauban, ici c'est la Poisac, des villes qui sont sur des collines donc assez bien délimitées, des villes qui peuvent être à cheval sur des fleuves. Et ce qui se passe depuis, c'est que vous avez une prolifération évidemment d'habitations, surtout quand il s'agit d'habitats pavillonnaires, c'est le cas ici, et vous avez également un autre processus qui est celui de la montée en hauteur des immeubles qui viennent écraser le tissu ancien sur une ville de la Réunionnaire que vous avez dans la partie basse. Alors je tiens toujours à souligner le fait que finalement les agglomérations, même si on a tendance à les appeler de la même façon, correspondent à des sédimentations culturelles et sociales très différentes les unes des autres, et ça apparaît assez clairement dès lors que l'on observe les villes à partir des plans tels qu'ils ont été établis à diverses époques. Ici vous avez Moscou en 1789, ici Téhéran en 1857. Bangkok en 1926, avec cette particularité que la ville a été structurée à partir d'un réseau de canaux qu'on appelle des canaux et sur lesquels circulent un certain nombre de bateaux qui sont des transports en commun permettant de se déplacer d'un endroit à l'autre de la ville. Il se trouve qu'évidemment au XXe siècle, ce réseau de canaux va être supplanté par le port au Caire et maintenant vous avez les deux réseaux qui se superposent, qui ne se coïncident pas mais qui permettent de passer de l'un à l'autre et de couvrir l'ensemble du territoire thaïlandais. Diversité culturelle importante qui se voit également évidemment à la nature des constructions, les matériaux utilisés, les couleurs. Succinctement ici vous avez c'est une petite ville d'Alsace qui s'appelle Gomar, ça c'est à Bangkok, le long d'une voie de. Okay. Ça c'est à Zanzibar, c'est à Aragon, ça c'est au Brésil, et ça c'est à Bucarest en Roumanie. Bon, j'ai toujours attiré l'attention évidemment sur le fait que ces traces de civilisation ancienne, de culture, sont des choses qu'il convient de respecter, bien évidemment. Vous avez reconnu des points. Et donc, deuxième chapitre, sur la naissance de ce qu'on appelle urbanisme. Alors le mot en français est relativement tardif, il apparaît en 1910 dans une revue suisse, la revue de Châtelet de géographie, de ce qu'on appelle d'un économiste géographe. Paradoxalement, donc c'est une question que j'avais travaillée à l'occasion d'un colloque à Moscou sur le mot de la vie en général, donc j'avais publié un article. C'était assez célèbre parce que c'était la première fois qu'on faisait le point sur l'ensemble des définitions qui avaient été données de ce mot depuis 1910. Donc j'ai épluché tous les dictionnaires. Je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y avait un des erreurs qui étaient recopiées, deux des références qui étaient mal faites, trois des exceptions discutables. Et donc je me suis beaucoup amusé
à décliner l'ensemble des définitions qui étaient données. En gros, quand même, quand le terme apparaît, on oppose assez rapidement un art et une science. Alors, la science, ça veut dire qu'on va mobiliser des disciplines universitaires diverses pour essayer de cerner ce qu'est la ville, ou sa population, ou ses activités, etc. Et un art, parce qu'il s'agit évidemment, dans cette période, de mettre en place des outils de planification, notamment pour faire face à des extensions un peu difficiles à contrôler, des agglomérations avec le développement de l'industrie. Alors, si vous consultez des ouvrages d'histoire de l'architecture, il y a en général des références à l'urbanisme, c'est quand même autre chose que des histoires de l'urbanisme, qui sont en nombre moins important et que vous ne connaissez peut-être pas. Comme la fameuse histoire de l'urbanisme de Pierre Lavenant, qui était un des prédécesseurs à l'Institut d'urbanisme de Paris, un volume qui démarre au début des années 20. Alors, vous avez comme acteur privilégié de l'urbanisation sur Paris, et essentiellement sur Paris, le baron Haussmann, donc un préfet, chargé par Napoléon III de réorganiser la capitale parisienne. Ça s'est soldé par énormément de déductions, mais également par les déductions et par les grandes percées qui permettaient de faire circuler une marchandise, etc. Donc, en marchandise, je vais comprendre le 19e siècle, l'eau, le gaz, les personnes, les marchandises alimentaires, notamment avec la réorganisation des halles de Paris, les premiers véhicules, et notamment l'arrivée des grands des trains et la construction des grandes gares parisiennes. Deuxième préfiguration de l'urbanisme proprement dit, la ville de Barcelone, avec à partir de 1860 et l'œuvre d'Ildefonso Cerdà de l'extension de la ville initiale de Barcelone, qui est toute petite par rapport au plan que vous voyez là, qui est celui de la Barcelone actuelle, avec de sa part une réorganisation à la fois du réseau de circulation et de l'organisation intérieure des îlots. C'est un exemple assez remarquable. Alors d'où vient cette préoccupation de planifier ou de contrôler la croissance urbaine? Alors essentiellement de problèmes sociaux qu'on a appelé la question sociale, donc qui préfigure la question du logement et la question urbaine dans la suite. Donc chronologiquement, vous avez des questions sociales qui s'opposent au 19e siècle, ensuite la question du logement fin 19e et la question urbaine au début du 20e. Alors deux phénomènes vont s'accentuer, l'errance et le vagabondage, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent plus à vivre à la campagne, des activités agricoles, vont sur les routes pour essayer de trouver du travail. Donc ça donne une figure sociale tout à fait marquante. Et les vagabonds ont été traqués, d'ailleurs le vagabondage est un délit, toujours puni en France. Vous êtes censé avoir des papiers et un peu d'argent, sinon vous le faites. Et l'errance, parce que dans le fond, ben, les personnes qui quittaient la campagne étaient un peu condamnées à faire du porte-à-porte pour trouver un emploi dans l'industrie ou dans les villes. Donc ils erraient sur les territoires jusqu'à se stabiliser. Et d'ailleurs, la question de la stabilisation de ces populations se pose assez rapidement à travers la question du logement. Alors vous avez les gens qui cheminent, et on les appelle des cheminots, N-E-A-U. Donc ça, c'est la figure des personnes qui courent sur les routes. Vous avez, c'est plutôt une figure américaine bien analysée par l'école de Chicago, qu'on appelle les hobos, c'est-à-dire les travailleurs saisonniers qui sont condamnés à se déplacer au fur et à mesure que les récoltes avancent. Et puis vous avez bien évidemment les cheminots, donc ça s'écrit N-O-T-S, qui sont les conducteurs de locomotives, qui vont donc circuler les trains et qui ont comme caractéristique d'avoir une vie itinérante, évidemment pas pour des raisons professionnelles. Alors, qu'est-ce que la ville pose comme problème au début du 19e siècle? Tout d'abord, les épidémies. Donc, ça, c'est pas nouveau, puisque la grande peste du début du 15e siècle a décimé 60% de la population européenne. Mais les épidémies continuent. Et évidemment, s'enchaînent assez rapidement des émeutes, des hécatombes, des massacres. Donc, si vous prenez les grandes dates, notamment l'histoire de France, 1789, 1836, 1847. 1870, vous avez après la guerre de 14 et la Seconde Guerre mondiale, vous avez des phénomènes évidemment de, à la fois d'épidémie, d'émeutes, de révolution. Alors à côté de ces aspects critiques, vous avez deux éléments essentiels de la réorganisation urbaine, ce qu'on appelait les embarras. C'est-à-dire les difficultés de circuler à cause des encombrements, à cause de l'augmentation des véhicules, etc. Ça, c'est une gravure de Gustave Doré qui présente les embarras de Paris. Et les taudis,
c'est-à-dire de l'habitat insalubre, qui évidemment entretient à la fois les maladies et qui est un terreau des révoltes ou des révolutions. Et puis, de façon plus spécifiquement urbaine, la question du confort, de la commodité et de l'incommodité, notamment pour ce qui est de l'implantation des grandes usines, donc on va chercher à faire refluer à la périphérie des agglomérations, grâce à une loi qui s'appelle Komodo et Jim Komodo. Donc en fait, pour que les populations ne soient pas incommodées par les nuisances de l'industrie, on a eu tendance à opérer cette ségrégation fonctionnelle consistant à relier les usines dans les zones dites industrielles. Puis vous avez aussi, donc, dans les quartiers les plus anciens, un habitat dégradé que l'on va progressivement détruire au profit de l'immeuble neuf. Et bien évidemment, s'oppose à cette grisaille, on va dire, de la périphérie des villes, l'embellissement des parties centrales dans lesquelles la bourgeoisie triomphante va au spectacle. Donc, vous avez là l'Opéra de Paris, de l'extérieur et de l'intérieur, donc était au XIXe siècle le haut lieu de l'Union, ce qu'on appelle le Grand Union. Alors à ces problèmes, un certain nombre de gens vont réfléchir à des solutions sociales possibles dans lesquelles vous avez adressé directement aux populations la question de l'épargne et de la prévoyance, qui va amener une réorganisation des conditions de rémunération de main-d'œuvre, qui au lieu de travailler au jour le jour ou à la petite semaine, on disait, sur les expressions consacrées, va progressivement être mensualisée, c'est-à-dire payé à la fin de chaque mois. Alors, le problème, c'est que quand vous payez les gens seulement une fois par mois, il faut que vous fassiez attention, en tout cas quand vous êtes patron, que tout ne soit pas dépensé au discours du coin dès le premier jour. Et donc, il faut garder de l'argent, il faut faire des calculs, il faut donc étaler ses dépenses de façon à joindre les deux bouts, comme on dit, ou arriver au mois suivant sans dette. Donc, ça a supposé une réorganisation des mentalités des populations, d'autant que les populations rurales n'avaient pas l'habitude de calculer comme ça, elles étaient sur des rythmes sensiblement différents. Donc, il y a l'apprentissage de nouvelles règles de comportement, en milieu urbain évidemment, et qui va sans doute se gérer à travers la production d'un logement que le patron produira et surveillera attentivement. Alors, il met en place ce qu'on va appeler globalement les couvertures sociales, c'est-à-dire qu'il va s'occuper des conditions de vie de la population ouvrière au départ, avec la création de caisses de secours, de caisses de retraite, de caisses d'assurance maladie. Tout ça, ce n'est pas des inventions de l'État, ce sont des initiatives faites par le patronat en relation évidemment avec la main-d'œuvre plus ou moins syndiquée, pour mettre en place des systèmes qui mettent un peu d'inertie, qui évitent la vulnérabilité des populations, soit quand ils tombent malades, soit quand ils vont travailler à la fin de leur vie, essentiellement. Alors, parmi les figures célèbres, évidemment, de ces solutions sociales, on a un peu tendance à considérer comme utopique, mais ça se discute. Donc, vous avez ici M. Gaudin, je vous le dis, c'est le patron d'une usine de gazinière, de chauffage, les poids de Gaudin, ça existe encore. Moi, les deux sont mis. Et il a construit un type d'habitat tout à fait spécifique, qu'on appelle l'habitat ministère. Donc, ça, c'est en référence à des utopistes comme Charles Fourier. C'est-à-dire un habitat collectif dans lequel vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour faire vivre en autarcie la population de la main-d'œuvre des usines. Donc ici vous avez la vue un peu générale des habitations sur le côté, le lieu de production dans la partie centrale, et là vous avez une vue de la cour intérieure, des logements pour les ouvriers auxquels on peut accéder par les coursives. Donc c'est le bâtiment qui existe encore à l'heure actuelle, il est plus habité, il sert de musée. Le témoignage du côté. C'était dégradé. Alors, à côté donc de ces visions qui ont parfois un peu éthéré, il y a des réalisations concrètes de plus en plus importantes à l'initiative de patrons paternalistes, c'est-à-dire qui s'intéressent à la vie quotidienne de leur population et qui vont à la fois produire des logements en petite quantité mais aussi en grand nombre, ce qui va donner naissance à des cités ouvrières qui ont comme caractéristique neuf d'être planifiées de façon quasi synchronique avec un nombre de logements importants et les équipements qui les accompagnent. Ça, c'est une petite ville d'Italie à l'est de Milan. Voilà. C'est une usine textile. C'est ça pour mon camarade italien. Mais... Alors, c'est l'invention aussi de ce qu'on va appeler l'économie sociale, c'est-à-dire à côté de l'économie politique stricte, il y a des gens qui se préoccupent des tenants et des aboutissants sociaux des activités économiques. Le théoricien
de cette économie sociale, c'est le dénommé Frédéric Leclerc, qui est un ingénieur des mines, mais c'est lui qui a inventé les grandes enquêtes sociales auprès des classes ouvrières européennes. Donc des systèmes d'enquête sur les ouvriers européens et des recommandations faites au patronat qui disposait du pouvoir politique et économique en leur disant occupez-vous de vos ouvriers de façon à veiller à ce qu'ils vivent dans de bonnes conditions, vous y gagnerez quand même une main-d'œuvre à la fois docile et fiable. Ici vous avez les. Vous avez les élèves de l'école patronale du Creusot, alignés en uniforme, formés à l'activité professionnelle de la métallurgie. Et évidemment, ces initiatives en matière de logement ou de couverture sociale seront arborées à l'occasion des expositions universelles, celle de 1889, pardon, étant la plus importante, c'est celle de la création de la Creusot. Et on va trouver évidemment exposé à côté de des productions industrielles toutes les réalisations sociales faites par les patronats européens. Et donc les grands maîtres de forge vont tous arborer les maisons qui vont bouger pour leurs ouvriers. Ça nous fait le premier catalogue d'habitations ouvrières qu'on a pu réunir au XIXe siècle. Avant, on ne les connaissait pas, la documentation était éparpillée, mais là, avec l'exposition universelle, on a pu constituer un stock assez considérable d'images et de description des conditions de fabrication, du financement et l'usage de ces réalisations architecturales. Le principe, alors, je ne vais pas m'intéresser là-dessus, mais c'est quand même une réorganisation du rapport au travail. Donc ça, c'est la devise ici qui a été adoptée par les patrons, le père à l'usine, la mère au foyer, l'enfant à l'école. Ça veut dire qu'on va arrêter d'utiliser des enfants dans la production, alors que des enfants de 7 à 9 ans commençaient à travailler dans les usines, voire même dans les mines, les femmes aussi. Donc on va suggérer que les femmes restent au foyer pour s'occuper des enfants, moyennant quoi on aura la garantie que la génération qui suivra celle du père de famille sera à la fois formée à un travail industriel et suffisamment disciplinée pour se soumettre aux desiderata du patron. Donc c'est un système très subtil, mais très... Alors, c'est à l'issue de l'exposition universelle de 1889 que ces initiatives en matière de logement pour les ouvriers vont être transformées avec un changement de dénomination en ce qu'on va appeler par la suite le logement social. Logement social, c'est du logement qui est, quand on fixe les normes constructives, le coût de réalisation et également le coût de location mis en vente, de façon à pouvoir répondre à la demande de logement des populations les plus défavorisées, enfin pas forcément les plus défavorisées, mais celles dont les salaires sont relativement faibles. Les plus défavorisées restent défavorisées et n'ont pas droit au logement. Donc ça concerne plutôt les salariés. Alors, on invente donc, à partir de la documentation qui avait été réunie sur les habitations ouvrières dans les expositions universelles antérieures, à partir de 1889, on fonde des associations, l'association Société Française des Habitations Bon Marché, HBM. Jusqu'en 1950, les HBM, ce sont des édifices qu'on identifie sans problème. Il y en a d'ailleurs réalisés au Maroc par la France. Ce sont des habitations qui se caractérisent par, en général, l'usage de la brique, assez bien travaillé en façade, avec des immeubles qui sont autour d'une cour intérieure, avec une seule entrée dans l'îlot, ce qui permet de contrôler les populations qui rentrent et qui sortent, et qui sont dotés d'éléments de confort appréciables pour les périodes de construction. Le maître à penser de la Société des habitations du marché, c'est le dénommé Henri Seillier, qui était sénateur, député, ministre, et qui à Suresnes, c'est dans la banlieue de Paris, la banlieue ouest de Paris, a construit une cité-jardin comme centre de comme une ville nouvelle, qui est très belle parce qu'elle est construite avec des immeubles sur les plans, ça c'est en Paris, mais vous avez ici une vue un peu restreinte de cette cité-jardin de Suresnes qui servira d'exemple dans le monde entier par la suite. On voit apparaître tout de suite après 1889, donc la fondation de la Société française des ABM, on voit apparaître une institution qui est essentiel du point de vue de la politique urbaine, c'est le musée social, qui lui reprend toute la documentation des expositions universelles dans tous les aspects de l'économie sociale. Il n'y a pas seulement le logement, il y a également les plans d'urbanisation, il y a les caisses de retraite, il y a les caisses d'assurance maladie, il y a tout ce qui vient en aide aux populations. C'est un bâtiment qui n'est pas loin de la Salle nationale en France, peut-être qu'il y a une relation directe avec les lois qu'on va essayer de faire voter, il y a des documentations, il y a des salles de conférence, et le fondateur en est un notable, c'est le comte de Chambrun.
Et parmi les membres de ce comité social, il y a une idée des esprits qui ont envie de mener une politique sociale, vous avez la réalité, voilà. Et donc, membres du comité social, comme la plupart des premiers urbanistes, sont sujets pour faire des gestes de réalisation par la solution. Au sein du musée social, qui est divisé en diverses sections plus ou moins spécialisées, selon la nature des politiques à mener, vous avez eu une grande importante qui s'appelle la section d'hygiène urbaine et rurale, qui apparaît en 1908 et qui va regrouper principalement les architectes, ingénieurs et hommes politiques qui s'occupent de des villes ou de l'architecture. La question qui se pose à l'époque, donc au tournant du XXe siècle, c'est celle du déplacement des fortifications. Les villes françaises étaient fortifiées, elles avaient des fortifications, celles de Paris, celles enceintes de Thiers, donc ils comportaient des glacis pour pouvoir faire fonctionner l'artillerie. Ça fait une bande de terre qui fait quand même bien de 150 mètres de large, qui fait tout le tour de Paris. C'est une assiette foncière considérable. Et les militaires disent, bah, nous, ça ne nous sert plus parce que dans le fond, on a changé un peu le système balistique, ils construisent des forts un petit peu plus loin, et du coup, ils réalisent la valeur de ces terrains en les mettant à la disposition de l'État ou des municipalités. Alors, les bons esprits du musée social se disent, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces terrains? Il y a un débat qui s'enclenche avec les partisans des espaces verts qui disent, on va faire des parcs, les partisans du logement social qui disent, et puis les erreurs même d'équipement, parce qu'on a des périphériques, on a arrêté des stades, des graphiques, enfin des piscines, etc., des terrains de jeu pour les zones périurbaines de l'agglomération parisienne qui ont des équipements moins importants, moins denses que dans le centre. Alors, ces terrains-là avaient déjà été un peu squattés. C'est un terrain défensif, mais des fortifications, vous avez vu ici des montres, parce que bon, il y avait des gens qui faisaient la culture culinaire, qui sont sauvages, il y en avait d'autres qui se battaient, il y en avait d'autres qui se c'était un terrain de jeu pour les urbains, et on va régler sur ce soir. Enfin, ça va prendre quand même un bon dossier, parce que finalement, la transformation de la zone extérieure de ce terrain va être transformée en périphérique. La voie rapide qui permet de faire le tour de Paris. Ils étaient terminés dans les années 60, alors qu'ils ont commencé vers 1910, les aménagements de cette zone. Alors on voit apparaître aussi ce que certains auteurs ont pu appeler la nébuleuse réformatrice, c'est-à-dire des gens qui se prennent par la main en disant bon, alors il faut qu'on se donne les moyens de mener à bien l'ensemble de ces transformations de la ville. Donc apparaît une société qui va s'appeler en 1911 la Société française des architectes urbanistes et qui en 1913 va changer d'intitulé pour mieux marquer les écarts avec l'architecture qui va s'appeler la Société française des urbanistes. C'est une société qui existe toujours, qui s'appelle la SFU, dans laquelle vous allez avoir comme membres la plupart des grands planificateurs de la France et de l'Outre-mer, donc des colonies, de la guerre de 14 jusqu'au... Alors, parmi les fondateurs de cette société française, vous avez 7 architectes et 2 paysagistes. Les architectes sont tous des grands prix de Rome, c'est-à-dire que ce sont des élèves brillants de l'école des Beaux-Arts, ils arrivent dans les premiers, et vous savez qu'on les envoie à l'école de Rome, donc à la Villa Médicis à Rome, pour qu'ils fassent un dernier projet après leur diplôme, pour faire une sorte de diplôme. Et il reste 2 à 3 ans, ils font des projets qu'on peut demander à certains. Et puis quand ils sortent de là, ils sont en Rome, le deuxième grand Rome, et ils ont droit à toutes les commandes de l'État, c'est-à-dire qu'ils deviennent vraiment les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics en matière d'architecture et d'urbanisme. Alors, Donald Frenagage, celui qui est là, il est, j'allais dire un peu comme moi, un architecte, sociologue et urbaniste. Jean-Marcel Augurtin, alors tout ça ce sont des gens qui passent à la ville de Médicis et qui donc ont une attitude un peu particulière par rapport à leurs prédécesseurs, parce que le prix de Rome existe depuis la fin du XVIIe siècle. Ils disent tous, nous on veut bien faire des bâtiments, mais dans le fond un bâtiment tout seul isolé de son contexte, ça n'a pas de sens, on ne sait pas très bien à quoi ça arrive de faire ça comme ça. Et donc quand on leur fait faire des analyses de certains édifices, ils en profitent, ils disent on ne peut pas le comprendre si on ne restitue pas le contexte. Alors Henri Prost va faire ça avec Sainte-Sophie à Istanbul, Léon Jossely va faire ça avec la ville romaine détruite. Oui, merci.
Pompéi, il va restituer Pompéi et il va faire l'effort de reconstituer la vie quotidienne des populations à Pompéi. Donc c'est un effort supplémentaire pour intégrer des données quasi sociologiques dans le plan de reconstitution plutôt des ruines de Pompéi. Les deux paysagistes, parmi les plus importants, donc vous avez évidemment surtout Nicolas Forestier, qui sera celui qui sera le paysagiste officiel du Maroc dans l'entre-deux. Donc ça, c'est quand même des grands personnages. La preuve en est que, avant même que la société française des urbanistes ne soit créée, des gens comme Léon Boussely va gagner un concours international qui est celui du projet d'exception de Barcelone, qui sera partiellement réalisé. Donc ils sont très bons en dessin, ils sont évidemment intelligents, cultivés, ils s'intéressent à la ville. Et quand il y a des concours internationaux, c'est-à-dire les pays ou les villes disent qui c'est qui veut s'occuper de la qualification de nos villes, c'est le cas de Barcelone, ils y répondent et ils gagnent parce qu'ils arrivent à faire des propositions tout à fait remarquables. C'est par ailleurs aussi l'architecte du musée permanent des colonies qui est à Porte Dorée, à Paris, si vous connaissez. Voilà des exemples de travaux de Henri Prost. En 1910, il gagne le concours de réaménagement de la ville d'Anvers. Vous avez le projet ici. Et ça, c'est la reconstitution de Sainte-Sophie. Je n'ai pas l'image de la reconstitution de Istanbul, mais il a fait ça de façon remarquable. Donald Fred Agage va gagner, lui, en 1912, le projet de la capitale australienne, Yas Canberra. Il sera le secrétaire général de la Mobilité sociale en 1913 et secrétaire de la SLU en 1923. Par ailleurs, en 1927, il va gagner le concours du réaménagement de la remodélation. Remodélation en particulier de Rio de Janeiro, qui était la capitale brésilienne de l'Europe. Par ailleurs, un autre pensionnaire de la Villa Médicis va lui avoir des problèmes, c'est Tony Garnier. En général, les architectes ne retiennent que Tony Garnier. Les autres, on les oublie un peu dans l'histoire de l'architecture, c'est un peu dommage. Tony Garnier est quelqu'un qui va se faire exclure, enfin, il va être mis hors concours de la Villa Médicis parce qu'il va refuser les programmes qu'on lui imposait et il va dire, moi, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est une cité industrielle. Il prend un site imaginaire et il dessine de façon magistrale, évidemment, l'aménagement de cette ville industrielle. On lui dira, c'est bien joli, mais vous êtes hors propos parce que c'est pas ce qu'on vous a demandé. Alors, il aura une destinée un peu chagrine, je dirais. Il ne fera quasiment pas de plan de ville. En revanche, quelques réalisations architecturales et la fameuse cité des États-Unis à Lyon, qui est un ensemble d'habitations en bon marché, qui, sous forme de cité, pas vraiment jardin d'ailleurs. Alors, on voit apparaître au début du XXe siècle les premiers enseignements d'urbanisme. Alors, vous avez trois personnages importants qui sont les fondateurs de ce qui va devenir l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, qui est devenu l'UQ, donc c'est là que j'étais en poste. Le premier, c'est Marcel Boët, c'est un archiviste paléographe. C'est le premier historien de Paris. C'est le conservateur du musée de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, pardon. Et dans laquelle il va se mettre à faire des conférences sur l'histoire de la ville, qui n'a pas ouvert à un large public. Il crée, à partir de 1914, une chaire à l'école pratique des études de l'histoire de Paris, et puis il va contribuer à une première institution qui va s'appeler l'Institut d'histoire, de géographie et d'économie urbaine de la ville de Paris, c'est une école municipale, qui se veut interdisciplinaire par définition, dans son intitulé premier, et qui va aborder la question urbaine, la question des villes, à partir de ces disciplines. Ça suppose que la règle quasi imposée dans tout enseignement de l'urbanisme, c'est qu'il soit interdisciplinaire, pas seulement pluridisciplinaire. Le deuxième personnage s'appelle Louis Bonnier, il était architecte voyer de la ville de Paris, donc il était professeur à l'école des Beaux-Arts. Lui était dans une bibliothèque privée de la ville. Lui, professeur à l'école des Beaux-Arts. Et le troisième, plutôt homme politique, conseiller général, maire, sénateur, ministre, etc., dont on a vu la figure tout à l'heure par rapport à la cité de Germain de Suresnes. Alors cette première institution-là va se métamorphoser progressivement en école pratique d'études urbaines et d'administration municipale. Je passe sur le détail. EHEU, c'est une dénomination gratifiante, on va dire, école d'études urbaines. On a essayé de nous l'appliquer, cette dénomination, là, c'est vraiment pas trop, je crois, dans les années 80, à essayer de créer une école des hautes études urbaines, on lui a dit non, vous ne pouvez pas parce que la dénomination existe déjà et sinon vous allez être un usurpateur. Bref.
Ça devient en 1924 l'IUP, Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, et avec un rattachement à la Sorbonne, parce qu'on passe d'une école municipale à une école nationale qui dépend de l'université. Et puis, progressivement, cet institut, qui est une petite institution, moi j'avais dans mes salles de cours entre 6 et 15 étudiants, hein, en gros, on en diplômait 25 par an. Donc c'était quand même une formation relativement d'élite, donc jusqu'à 68 où on a eu la concurrence d'autres formations. Et donc cet institut d'urbanisme de l'Université de Paris va migrer dans divers bâtiments jusqu'à atterrir là où j'étais à Créteil, et puis maintenant il est dans la cité des Cartes de Marbré, dans l'Est parisien. Alors c'est aussi le moment où on voit apparaître le premier traité d'urbanisme. Alors, je vous ai mis en noir les traités en langue étrangère, parce que les autres pays européens sont plus avancés que les Français en matière. L'un des premiers traités, c'est l'ouvrage de Joseph Stevens qui s'appelle l'architecture. L'ouvrage de Camille aussi, qui sera quand même assez rapidement traduit en français. De Miguel sur les cités jardins également. Ça, ce sont des textes français, comme c'est peut-être. Georges Benoît Lévy, c'est Monsieur Cité Jardin. C'est une stabilité en faveur de ce type. Benwin, Company Practice, c'est celui qui met en application en Angleterre le texte des Bénédicts de Rouen. Patrick Guedes, qui est un biologiste urbaniste écossais, qui finira sa carrière en France. Donc, 1915, un premier traité quand même important sur l'histoire des villes. Et puis ici, en gros, quand même, les premiers urbanistes français et notamment les acolytes des équipes qui sont venues travailler dans les colonies. Alors, comment se manifestent ces premières réalisations urbanistiques? Il y a d'abord une hésitation aux alentours de, entre la guerre de 14 et les années 20-25, entre ce qu'on a appelé l'art urbain, ou ce qui s'est appelé l'art urbain, dont un exemple assez typique est l'ouvrage de Ernest Ebrard et un truc en version qui s'appelle Création d'un centre mondial de communication, donc c'est un ouvrage relativement conséquent, avec de très belles illustrations. Ça correspond à la tentation de la part d'architectes de simplement extrapoler leur façon de façonner l'espace de l'échelle architecturale à l'échelle urbaine. C'est-à-dire que, sans avoir beaucoup réfléchi à la question, ils se disent, dans le fond, on est capable de faire plein d'édifices qui vont donner une ville, et non, ils se mettent à dessiner toutes les villes en entier comme si on dessinait des édifices. C'est un truc de fond, parce qu'ils sont censés statuer sur toutes les formes bâties qui existent dans une agglomération comme celle-ci. Bien évidemment, du point de vue de l'économie, du temps de travail et même de la réflexion, ça ne va pas marcher. Donc assez rapidement, l'art urbain va s'éteindre. Mais il y a quand même cette tentation qui subsiste, notamment chez les premiers urbanistes, de vouloir tout dessiner pour statuer aussi bien sur les espaces verts que sur l'organisation de l'intérieur des îlots, les plantations d'arbres sur les voies routières, etc. Ça, c'est le plan d'Agache pour les dernières, ça aussi. Donc ça suppose quand même que ils étaient architectes urbanistes. Tous les urbanistes n'étaient pas architectes, loin de là. C'était des géographes, des économistes, des ingénieurs, etc. Mais les architectes, eux, mettaient un point d'honneur, évidemment, à donner des images de la ville qui souhaitait. C'est un très bel ouvrage, hein, celui de l'Agache, très bien illustré, évidemment. Alors, autre solution, celle-là assez viable, finalement. Les cités jardins, donc c'est surtout les Anglais, donc ici vous avez une préfiguration avec le village des Bourneville, la couverture d'un ouvrage de Georges Valéry, dont je parlais tout à l'heure, en français, et là vous avez la traduction en français de l'ouvrage de Romain Morin, Anthony Quagis, réédition récente. Les villes nouvelles anglaises de type cité jardin fonctionnent plutôt bien, elles ont des caractéristiques morphologiques assez étonnantes, comme par exemple les clauses, une façon de distribuer les édifices et les habitations autour de voies qui sont un peu plus effectives, donc toutes en forme d'impasse. Mais vous avez une diversification des tissus, vous voyez que vous avez une façon assez pittoresque de dessiner les paysages urbains qui accompagnent évidemment les villes. C'est assez remarquable, mais ça marche difficilement dans les exemples français, puisqu'en France, on n'a pas une norme. On a produit quelques-unes, mais qui ne sont vraiment pas terribles. Qui ne soutiennent pas la comparaison avec les cités jardins anglaises, qui sont censées fonctionner sur des règles très précises, fixées par les pays de revoir dans les schémas. Et donc, si vous avez le choix, vous avez évidemment.
cet exercice assez remarquable fait par un des postes sous l'égide de l'UTE au Maroc, puisque la plupart des villes marocaines ont été modernisées, dont sont les villes nouvelles, à partir de 1900, par l'équipe de France, qui avait réussi, grâce à l'initiative de l'UTE, à réunir toutes les compétences dont il avait besoin pour faire ça correctement. Et là, vous avez évidemment le plan de. Alors parmi les collaborateurs, vous avez des gens qui ont fait des études à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, là par exemple, ingénieur civil et urbaniste, qui a fait des projets sur Agadir, assez proche de la réalité actuelle. Vous avez des ingénieurs des ponts qui se chargent du découpage foncier, du remembrement et des indemnisations, des expropriations aussi. Par ailleurs, ce sont des gens qui évidemment publient le traité d'urbanisme. Prost s'est également distingué par son projet d'aménagement de la côte varoise dans le nord de la France. C'est la première fois qu'on faisait un plan régional avec une réflexion sur la protection et en voie de circulation. Prost terminera sa carrière en gros à Istanbul, où il sera chargé entre 1936 et 1951 du plan d'aménagement de l'agglomération d'Istanbul. Voilà, ici, en train de. Il avait par ailleurs essayé de former des urbanistes turcs. Là, il a eu un peu du mal, ça a marché. Là, vous avez l'exemple d'un géomètre expert, René Danger, alors ils étaient plusieurs dans la famille, 3-4 de sa fille, qui, en gros, ont, au milieu du XXe siècle, planifié un nombre considérable de villes. Ici, vous avez le plan établi par René Danger de Fourcon. Il y avait une société qui s'appelait la Société des plans régulateurs de l'île, et voilà l'ensemble des agglomérations dont il s'est occupé, en fait, les plans de ces villes ont été faites. Là, sous la forme de ce qu'on appelait le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension, c'est la première loi française de planification urbaine qui a été votée en 1919 et 1924, et donc elle est censée être appliquée à l'ensemble des villes que vous avez ici. Noter quand même Beyrouth, Alexandrette, Antioche, Bonn, Guelma, Damas, Constantine, Tripoli. Dans la plupart des villes du Moyen-Orient français, on a été planifiés par les sites de la ville. Jacques Grébert, qui est un autre architecte urbaniste de l'époque, a été chargé de l'aménagement du parcours de Philadelphie en 1917, puis sera l'auteur de la capitale canadienne. De 37 à 1950. Il était professeur à l'Institut d'urbanisme, il était d'ailleurs plus ou moins assistant du Maroc de France, et également chargé de l'exposition internationale en 1937. Ernest Hébrard, autre grand architecte urbaniste, centre de Rome, il fait partie des fondateurs, lui va devenir monsieur Indochine. Comme on dit, il va partir dans l'Indochine française. Et sera l'auteur des plans d'aménagement des capitales du Vietnam, du Laos et du Cambodge, donc par ailleurs des villes vietnamiennes comme Saigon, Cholon sur la partie chinoise de Saigon, Hong Kong, Malaisie, avec des plans assez remarquables et également un effort fait en matière d'adaptation de la conception architecturale au caractère de l'architecture locale. D'ailleurs, les Vietnamiens sont en train de réhabiliter à la fois les édifices construits par Hébrard et d'essayer de préserver les plans d'aménagement qui ont été établis au début du XXe siècle. Alors, chapitre 4, théorie et doctrine. On voit apparaître finalement dans la pensée urbanistique deux courants un peu contradictoires. Évidemment, vous avez des projets, alors souvent faits par des architectes qui sont considérés comme innovants, voire utopiques. Là, vous avez un projet je ne sais pas s'il a des chances de réaliser ça, mais enfin, bon, ça s'appelle dessin. Ça, c'est la ville de Robin en Inde. Et ça, c'est une image de ce que les habitants eux-mêmes sont capables de fabriquer quand ils se passent des architectes et des urbanistes. Et évidemment, avec le problème des réseaux qui sont résolus un peu à la va-vite ou à la vague comme je peux. Alors, s'opposent là-dedans, évidemment, des attitudes qui consistent soit à tenir compte des paysages et à les respecter, soit à vouloir détruire l'esprit neuf et faire du passé de table rase, c'est un peu l'adage de en matière d'urbanisme. Alors,
L'alternative, c'est d'une certaine façon soit composer avec la culture locale, soit imposer une modernité qui vient se plaquer sur un paysage artificiel. Mais ici, vous avez la grande mosquée, qui est un exemple d'architecture arabe byzantine intéressante. Et ça, c'est la grande mosquée de Djenné, qui date des années 30, une réalisation française, mais sur les techniques et la mise en œuvre des maisons maliennes en banlieue. Alors sur le plan doctrinal, vous avez une opposition un peu caricaturale entre ce qu'on va appeler l'urbanisme culturaliste, dans la figure principale est Gaston Bardet. Par ailleurs, alors, il a beaucoup publié, il était aussi un urbanisme, et qui faisait faire aux ateliers, en atelier à ses étudiants en urbanisme à Paris, des représentations comme celle-ci, des caractéristiques de l'espace urbain. Je comprends bien qu'on fasse des choses comme celle-ci, mais c'est important. C'est le repérage, maison par maison, de toutes les activités qui existent dans le tissu urbain. Une ville de province, ce qui permet de faire apparaître avec des jolies couleurs les concentrations commerciales, les concentrations de bureaux, l'habitat, etc. Et en un coup d'œil, vous avez une image synthétique de la distribution des activités dans l'espace urbain. S'oppose évidemment à cette démarche très, très cautionneuse, celle d'un Le Corbusier, qui lui, au contraire, part de terrain vierge et veut appliquer sur le terrain des solutions entièrement nouvelles et qui sera fondateur évidemment de l'inspirateur des SIAM qui propose des solutions comme ça dans le centre de Paris, le fameux plan. Là vous avez la comparaison des tissus, vous devez connaître ça quand même, dans la ville radieuse, le tissu haussmannien, le tissu new-yorkais, le tissu d'Amérique latine, et puis celui qu'il propose dans la ville radieuse, à la même échelle. Et évidemment avec un système de figuration ou de mesure, qui sera celui de New York. Voilà ce qu'il voulait faire du centre de Paris, là, de la place des Halles, c'est ça. Pour l'empêcher quand même de la cité de la Marseille, une réalisation intéressante. Vous avez, à travers la politique de résorption de l'habitat insalubre, la tentation de démolir, donc on peut appeler rénovation bulldozer, et puis une réflexion qui, dans les années 80-90, s'achemine vers des opérations plus fines, en type, en dents creuses, avec le souci de tenir compte du paysage urbain, avec le fameux traité d'Armstrong-Gordon-Cohen en 1961. Donc s'oppose à l'évolution du bulldozer à des réhabilitations plus fines. Réhabilitation également sur le plan symbolique et pas simplement matériel. Et vous avez également cette opposition entre un urbanisme procédurier et technocratique, auquel j'ai personnellement jamais véritablement adhéré, mais celui qui est en œuvre, et avec des dictionnaires aussi, parce que sinon on ne comprend rien à ce qu'on fait. Là, il y a un petit bout, hein, parce que les dictionnaires de cycle en urbanisme, c'est des ouvrages de 500 ans. Et puis, s'oppose à ça quand même, celui qui consiste à consulter les populations pour savoir quoi réaliser. Dernier chapitre sur les grandes phases de cet urbanisme. Alors il est ponctué, en tout cas en Europe, par des moments critiques que sont les guerres et les destructions, et donc les reconstructions. Bon, pas sur l'ensemble du territoire, mais quand même, en baisse de la France, en Allemagne, en Belgique, ils ont beaucoup souffert des bombardements, et donc ils profitent de l'occasion aussi pour essayer de faire du neuf lorsqu'ils le reconstruisent. La ville de Reims a été pas mal démolie. Parmi les plans faits entre 1919 et 1943, nous avons parlé en justice, les Pouroux, Pau, Paris, qui marchent plus ou moins bien parce que la mise en œuvre des plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension va souffrir à la fois du manque de compétences et du manque de moyens financiers pour les mettre en œuvre. Il n'empêche que certains auteurs, je pense à Jacques Grévert en particulier, vont être capables de formaliser des propositions tout à fait intéressantes qui seront un peu dépassées par les événements. Les événements en question, c'est la prolifération des lotissements défectueux à la périphérie des villes. Donc vous avez ici le repérage dès le début du XXe siècle des grandes zones de la banlieue parisienne où les gens s'installent à travers un appartement et sans assainissement, etc. Donc ça correspond quand même à ce qu'on appelle la réalisation vers la claire, avec des problèmes qu'on mettra quasiment 50 à 60 ans à régler en rajoutant l'eau, le gaz, l'électricité, les chaussées de trottoir, le transport en commun, etc. Donc ça a été la politique qui a dû être menée à la place des plans d'aménagement et d'extension
jusque alors, la Seconde Guerre mondiale aura également cette reconstruction. Ici, vous avez une vue de, du Havre à l'issue des bombardements, il ne restait pas grand-chose. La ville a été refaite entièrement sous l'égide d'Auguste Perret avec une architecture en béton armé qui a des caractères du système constructif de façon à la serre au point que la ville a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a eu quelques bévues après la Seconde Guerre mondiale consistant à aller un peu vite pour faire du logement social avec ce qu'on va appeler les grands ensembles qui veulent résorber les taudis évidemment mais qui proposent des architectures un peu sommaire, on va dire, du point de vue des normes architecturales, et les habitants assez rapidement vont plutôt se porter sur l'habitat pavillonnaire. Quand ils peuvent échapper à un logement locatif dans les HLM, ils achètent un bout de terrain et ils se font construire des villas qui présentent un certain nombre d'avantages qu'on a longtemps liés à l'individualisme, etc., mais qui correspondent quand même à une façon de vivre un peu loin de, des turpitudes et des contradictions. Difficultés de la vie quotidienne au milieu. Donc c'est un habitat plutôt équilibré, puis il y en a qui sont plus les Français que les grands. Quelqu'un va tirer le signal d'alarme de cette urbanisation un peu inconsidérée qui va accompagner l'industrialisation et qui va amener des déséquilibres territoriaux. On a toujours ces déséquilibres territoriaux parce que l'aménagement du territoire est une discipline un peu négligée. Donc c'est l'ouvrage de Jean-François Gravier qui s'appelle « Paris et le désert français » où il a, à partir de données statistiques, montré qu'on était en train de vider la campagne française et on était en train de remplir quelques grosses agglomérations où se concentrait l'essentiel des équipements. Donc il avait tendance à dire que c'est pas bon, il faut essayer de l'équilibre des activités. Bien évidemment, la réorganisation a supposé la création des grands axes de circulation économique. C'est aussi le moment où, alors c'est à peu près à partir de 1950, début des années 50, on voit apparaître la sociologie urbaine, qui n'existait pas en permanent, et qui va s'intituler comme ça, avec deux grandes figures françaises, Paul-Henri Chambardelot, qui est ici, qui était à l'école pratique des études, et Henri Lefebvre, qui terminera sa carrière à l'université de Nanterre. Ici, vous avez un schéma qui fait toujours complètement. C'est le déplacement annuel d'une jeune fille du 16e arrondissement dans l'espace parisien. Et alors, donc, comme si on l'avait bagué comme des oiseaux migrateurs, on a suivi tous ces trajets pendant un an, à partir de son domicile, qui est là, en bas des Champs-Élysées. Et alors, ça montre très très clairement que cette jeune fille ne connaît de Paris que le chemin de chez elle à quelques boutiques un peu chic du Faubourg Saint-Germain, et puis l'Opéra, mais le reste, on ne connaît pas. Si vous faites le même schéma avec des ouvriers qui habitent la banlieue parisienne, vous allez avoir un espace qui sera évidemment délimité tout à fait différemment. Donc ça, la sociologie commence à dire, vous voyez, les gens pensent qu'ils habitent la même ville, mais ils sont, ils habitent la même ville, exactement, mais ils ne sont pas dans le même espace. Et ils ont à la fois des lieux d'habitation, des lieux d'activité, des modes de vie, des représentations de l'espace urbain qui sont radicalement différents. Comment on fait quand on est urbaniste pour concilier la cohabitation de populations qui sont dans des espaces aussi séparés. Si on ne le fait pas, ça aboutit à des ségrégations urbaines, éventuellement à des ghettos, c'est-à-dire qu'on met les pauvres à part, les riches à part, on s'enferme, et puis ça ne fait plus fonctionner la ville comme ça devrait. Là, vous avez quand même des ouvrages que je vous recommande de lire. La production d'histoire est de fait, c'est un ouvrage très marquant, et celui d'analyse de la région parisienne par les plus. Évidemment, ces opérations supposent l'intervention assez forte du pouvoir politique. Et en France, c'est sous le général de Gaulle qu'une impulsion nouvelle va être donnée à la planification urbaine. Ça démarre en Algérie, avec ce qu'on appelle le plan de Constantine, donc à partir de 58-62, c'était pour essayer d'éviter de perdre l'Algérie française et puis de la moderniser, parce qu'on l'avait laissé un peu traîner. Donc le plan de Constantine avait comme objectif de fournir le logement social, des équipements, etc. Mais en 62, ça s'arrête parce que la France se retire de l'Algérie et accède à l'indépendance. Et dans le fond, une partie du personnel et aussi la façon de procéder va être transposée du plan de Constantine vers le plan de réaménagement de la région parisienne, avec la création de villes nouvelles, donc une modernisation qui était restée en souffrance, on va dire, puisque dans le fond, l'argent qu'on investissait en Algérie pour faire la guerre, on ne l'a pas utilisé pour moderniser ni le parc immobilier français, ni faire de la planification urbaine. Donc à partir de 62, de Gaulle dit, bon, là maintenant, on arrête, et il, évidemment, se dote d'une équipe
qui est chargé de réaménager la région parisienne. Et au hasard, le personnage qui est le personnage clé, donc qui a été le gouverneur général de l'Algérie, de 58 à 60, va être nommé préfet de la région parisienne, district de la région parisienne, et c'est lui qui va mener à bien toutes les nouvelles institutions destinées à planifier la région parisienne et en particulier le schéma directeur d'aménagement de la région parisienne. Ici, vous avez Pierre Pisani, qui par ailleurs a été le président de la circulaire honorable, et qui était lui chargé de tout qui correspondait à la politique foncière. Donc, ce sont des personnages politiques importants dans la réorganisation de la planification. En gros, on peut retenir donc, en trois grandes phases d'urbanisme en France. La première phase de l'entre-deux-guerres, 1939, qui est celle des municipalités, c'est-à-dire c'est les municipalités qui sont chargées de mettre en application les plans d'aménagement, d'urbanisme et d'extension. C'est le régime de Vichy qui va modifier les textes de loi concernant la planification urbaine en 1943, et à partir de 1945, on a une intervention massive de l'État avec finalement le pouvoir technique qui est confié au corps des ingénieurs de ponts et chaussées qui ne sont pas les plus compétents en matière d'architecture. Pour faire des routes, des ponts, des chaussées, donc en fait, ils vont plutôt présider à la réalisation des grands ensembles, des grandes voies de circulation, mais finalement, le patrimoine de l'architecture, ça ne les intéresse pas, et donc on en sait qu'ils dégradent un petit peu. Et puis, troisième phase, à partir de la loi sur la décentralisation, on a une façon beaucoup plus décentralisée de procéder à la planification urbaine, et donc là-bas, le repart dans le plan des collectivités locales ou territoriales, on va les appeler à partir de cette époque. Et là, vous avez un peu plus large. Donc, vous avez une autre façon de faire de la politique urbaine consistant à faire imploser des édifices dont on veut se débarrasser parce qu'on estime qu'ils ont été mal conçus ou que ce sont des foyers d'insalubrité ou d'insurrection, etc. Donc, on s'est mis à dynamiter des immeubles. C'est du béton armé, c'est un peu difficile à trouver. Alors, on a des artificiers qui travaillent bien, qui sont capables de mettre des charges sur les fonds pour que les symboles, puis après, on déblaye. Et on remonte autour à la carrière. On a mis en œuvre une politique de réhabilitation des grands ensembles, dont je considère que c'est souvent un peu cache-misère. On met des panneaux colorés. Oui, on fait ici, par exemple. Et puis, finalement, on a rectifié la production architecturale, la production moderne, notamment américaine, qui s'est mise à faire des édifices qui correspondent un peu mieux à l'image que les habitants se font de leur vie d'habitation que les grands ensembles que vous avez dans la partie supérieure. Et puis, donc, cette fameuse adage, refaire la ville sur la ville, c'est-à-dire, au lieu de concevoir l'urbanisme que d'extension sur le terrain vierge à la périphérie ou sur des terrains libérés par la démolition des jolies travailler de façon beaucoup plus précautionneuse en tenant compte de l'histoire des édifices et du patrimoine, qui est quand même la démarche que vous avez, me semble-t-il, suggérée dans la quatrième année dans laquelle je suis impliqué cette année. Bon, alors il y a aussi des choses que j'ai tendance à considérer comme des actions architecturales qui consistent à monter un considérablement en hauteur jusqu'à un kilomètre, on va réparer le nappe, puis j'attends le prochain débarquement pour voir comment ça va tourner cette année. Ça ne me paraît pas une démarche très recommandable. Enfin, pour conclure, un peu d'air. J'ai quand même un peu la nostalgie des espaces désertiques, sans déconner. Je souligne toujours, en tout cas je l'ai fait dans tous mes enseignements, le caractère particulièrement arbitraire et même violent de ce qu'on appelle en sociologie de la violence symbolique, c'est-à-dire l'arbitraire des tracés, des vues géométriques de ce qui est imposé d'en haut par un maître d'œuvre qui domine le territoire et qui est doté du pouvoir d'imposition aux populations, des solutions qu'il dessine, que ce soit architecturales ou urbanistes. Il y a aussi la prolifération inconsidérée des édifices du même type, la sérialisation de l'espace et la nécessité, dans le fond, pour se déplacer dans l'espace urbain, de disposer d'outils cartographiques qui vous représentent les réseaux et qui nous suivent pour nous déplacer d'un point à l'autre. En gros, dans les grosses agglomérations, vous ne pouvez pas engendrer votre déplacement en vous dispensant de cet outillage qui vous figure le plan de la ville, le plan des réseaux, des stations, etc. Sinon,
Alors, vous pouvez évidemment traverser une ville en marchant, mais vous n'avez aucune performance dans la maîtrise de votre déplacement. On est obligé de composer avec ça, maintenant vous le faites avec le téléphone portable, donc c'est quand même des éléments extérieurs. C'est aussi le XXe siècle, l'époque où on a considérablement parqué des populations dans les camps. Ça c'est un complément d'ingérie. Bon, vous avez les camps de concentration, je vous ai mis la carte de l'ensemble des camps de concentration réalisés en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une urbanisation non négligeable, évidemment, dans laquelle les architectes se sont mis, et les urbanistes aussi, pour qui se soldent évidemment par des massacres. Vous avez la poussée démographique qu'on a du mal à intégrer dans la réflexion aussi bien sur le fonctionnement des institutions que sur l'occupation du territoire, qui se solde souvent par une migration de populations difficiles à contrôler. Et je crois où on va aller avec une population de l'homme. Vous avez les problèmes de circulation et d'embouteillage, qui fait que vous pouvez rester coincé dans votre voiture sans pouvoir sortir pour aller visser, c'est un problème. Donc à Bangkok, ils ont trouvé la solution, ils se déplacent tous avec un pistolet. Vous avez des problèmes de maîtrise foncière, de transactions plutôt douteuses. Donc l'aspect arrangement, indemnisation, négociation, recours contentieux, dérogation, etc. C'est une partie de l'urbanisme dont on parle trop peu, à mon avis, parce que c'est quand même un fort pourcentage des opérations qu'on peut faire, avec de temps en temps des gens qui sont annulés, mais sinon, finalement, ils arrivent à passer à travers les mailles du filet. C'est raconté dans certains films, si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère de les voir, même là sur la ville de François-Sorosie, ou là, tout le monde, et puis, finalement, on arrête l'invasion, en tout cas, pour le dans des endroits où j'échappe. Merci M. Frey pour ce retour vers l'histoire. Donc, on passe d'un cadre général sur l'histoire de l'urbanisme vers un cas précis, un zoom sur le cas de Tétouan par M. Hakim Chakraoui, directeur de l'ENA de Tétouan. J'aimerais avant de passer la parole à M. Chakraoui remercier nos amis tunisiens. Et je souhaite la bienvenue qui vient de nous rejoindre. La délégation de dizaines, une vingtaine d'étudiants tunisiens, je vous souhaite la bienvenue dans l'école. Et à M. Chelpi, le directeur de l'école d'architecture, donc bienvenue. M. Chelpi, à vous la parole. Vous me racontez un peu votre vie. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, mon propos en moi, franchement, je n'ai pas du tout à faire mon prolongement de personne à l'exposition. En général, dans l'histoire français, on a tendance à oublier un certain monsieur Alfonso Cerda. Et moi, je vais profiter de l'occasion pour montrer un peu, enfin, pas pour montrer, mais voir un peu l'application de sa stratégie ou de sa façon de faire à travers le cas des villes du Maroc. Alors, au début du XXe siècle, comme on le sait, le Maroc était devenu une colonie sous forme de deux protectorats, Espagnol du Nord et dans la partie sud française. Et donc, le territoire marocain va connaître un certain bouleversement, et notamment l'introduction essentiellement d'outils, de méthodes modernes que la société marocaine ne connaissait pas auparavant. Alors, l'intervention coloniale au Maroc, elle était surtout urbaine et économique. Et dès le début du protectorat, là, ce qu'on voit ici, c'est la carte du Maroc espagnol de l'époque. Et dès le début des deux protectorats, on va dire que les villes vont être le point de départ à partir duquel on va organiser le territoire. Et là où il y avait des villes existantes, on va en rajouter d'autres, toujours simplement. Et là où il n'y en avait pas, on va créer des villes tout à fait extérieures. Alors, la différence entre les deux façons d'implanter des villes à côté des villes existantes, notamment les Médinas, elle présente une différence radicale. Alors là, c'est la ville de Tétouan. On voit. Alors,
sur la droite, on voit la Médina avec son tissu dense, et sur la gauche, c'est le quartier espagnol avec ses amis, avec Millier, et qui ramène évidemment l'urbanisme à la Cerda, qui consiste à projeter un damier d'hypodamos, et qui devrait normalement avoir une croissance à l'infini. La particularité, c'est qu'il est collé à la Médina, et donc il n'y a pas un espace de transition comme dans les villes françaises, mais par contre, on voit bien aussi qu'il prolonge un peu les voies de la Médina elle-même. Là, c'est la Rache, et on voit en bas, c'est la Médina, et en haut, c'est la Sancho, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'extension, comme elle est projetée. Ça, c'est la Rache avant la projection, enfin, avant la construction du quartier de la ville espagnole, et on voit déjà les voies qui existent, qui vont être reprises dans le plan par la suite. Voilà le développement de la ville de la Rache, avec la Médina qui va rester confinée sur la gauche, et puis la ville moderne, la place espagnole, pratiquement à la ville. Ce plan ressemble encore à ce groupe de la ville qu'on est actuellement. La différence entre les deux villes, c'est assez intéressant, parce qu'il y a là, le plan de Cerda va marcher très bien avec la ville de la Rache, vu la topographie qui est présentée au plein accident. Alors que la ville de Tétouan, elle sera obligée de basculer vers une sorte de vitinaire à cause de la topographie. Un petit mot sur ces différences de politique entre la France et l'Espagne. Et là, je vais citer un extrait d'un texte du Haut Commissariat de l'Espagne au Maroc en 1947, qui souligne, commence par Bruton s'accroît quelques lignes critiques à la politique urbanistique développée par les Français dans leur zone de protectorat. Il paraît qu'ils sont très satisfaits de cette formule qui consiste en la construction de nouvelles villes complètement séparées des quartiers marocains. Il s'agit de lotissements avec de larges avenues rectilignes et de compteurs moyens. Nous, les Espagnols, nous avons besoin d'autres formules urbaines totalement différentes. Premièrement, parce que notre système de colonisation est basé sur la cohabitation entre les Espagnols et les Marocains. Cela se reflète dans les villes qui se sont développées tout près du quartier marocain d'Israël. Deuxièmement, parce que la topographie de la zone espagnole est aussi libre, et plus accidentée que celle de la zone française, ce qui impose des tracés moins géométriques et spectaculaires. Troisièmement, et ça c'est un élément qui à mon sens est très important, troisièmement, parce que nous avons dans nos deux tiers de la péninsule une tradition urbaniste musulmane et particulièrement en Indonésie. Nous ne pouvons pas se défaire de cette tradition qui convient parfaitement au Maroc espagnol. À propos de ce troisième point, on verra quelques implications que ça va donner. Et c'est vrai que du côté espagnol, il y avait une proximité culturelle, en plus de la proximité géographique, qui présentait cette colonisation différemment de la partie française. Alors évidemment, l'extension, comme l'exprime, on le dit en Espagne, ça se référait évidemment à la ville classique, c'était un quartier plutôt théâtral, où l'espace public jouait un rôle important. Le rapport au sol, on va dire, en quelque sorte, il a été simplifié, séparation des fonctions de la ville, tracé régulier, monumentalisation également qui était recherchée. Alors, selon l'historien Antonio Bravo, les idées d'architecture et de développement urbain que les Français avaient appliquées à Rabat, Kazan, Tunis et les autres villes n'ont pas eu finalement beaucoup d'influence sur l'urbanisme espagnol, et ce, jusqu'à la fin des années 20. Et donc les plans des extensions de Tétouan et de la Rache, qui ont été approuvés à partir de 1913, était de conception espagnole. Et on résume cette logique à lui. Le long des murs de la Médina ont été choisis une zone favorable à l'extension et en elle, selon la morphologie du terrain, les routes préexistantes et une fois résolu le problème de la propriété, a couru les alignements et la disposition des blocs de construction. Le modèle suivi dans les deux modes de réalisation avait à voir avec l'idée de l'extension qui a caractérisé la croissance de nombreuses villes espagnoles de la fin du 19e et début 20e. Il s'agit d'un projet de ville essentiellement promu par la bourgeoisie,
avec les apôtres d'une certaine monumentalité. Une ville qu'il ne fallait pas séparer de l'ancienne Médina, et les réalités urbaines ne sont pas séparées, ne sont séparées que par le mur et reliées par les pieds de porte qui ont repris depuis lors un rôle nouveau. En ce qui concerne cet urbanisme, toujours selon l'historien Antonio Bravo, il s'agit de, finalement d'avoir ramené au Maroc des idées que les Espagnols ont déjà testées, y compris en Amérique du Sud. Mais ce qui va être la distinction entre la partie française et la partie espagnole, c'est que dans la zone espagnole, on n'avait pas affaire à un architecte en chef ou un ingénieur ayant l'autorité suffisante pour unifier les critères, peut-être un Prost, ou beaucoup plus tard dans la partie espagnole, Muguruza. Et on n'avait pas non plus des services pour ça. En d'autres termes, l'urbanisme, de la réalisation des villes nouvelles dans cette région, ont été finalement le résultat d'une hétérogénéité d'acteurs, de facteurs, et paradoxalement, qui vont finir par donner l'image d'une certaine unité. Il est à noter que la plus grande partie de ce territoire du Maroc a été le résultat des enseignements tirés par les ingénieurs militaires à l'école d'ingénierie de Guadalajara, en combinaison avec les pratiques dans les autres colonies. Autre particularité de cet urbanisme, c'est justement la question qui se pose, c'est comment on fait la liaison entre les deux quartiers, les deux formes urbaines. Quand je l'ai signalé auparavant, certes, il y a les droits qui se prolongent à la quartier à nous, qu'est-ce qui va le caractériser? Ce qui va représenter la liaison de ces deux qui suivent particulièrement, c'est la place d'Espagne, qui est une sorte de rotule. Ça, c'est la place du Pétron avant son réaménagement, enfin son aménagement. Et là, c'est après son aménagement. En réalité, les Espagnols, enfin, en fin de compte, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils font? À certains moments, ils créent une place, un espace ouvert, comme vous l'avez encore entendu de Bravo, un espace ouvert de réunion, une rotule reliant deux mondes différents, le premier endroit pour construire des bâtiments importants, et qui constitue le centre absolu de la ville, où désormais, lieu indispensable pour accéder à la Médina et le sommet d'où émerge radialement, l'insager européen avec ses rues principales. À noter que dans le cas, par exemple, de Saint-Pierre, celui où on a démoli les murailles, les deux quartiers ont fusionné. Actuellement, on passe de l'un à l'autre sans qu'on sente vraiment de transition. Alors, la particularité à Tétouan, c'est que la place d'Espagne, la place qui devrait faire la liaison entre les deux quartiers, elle s'avance dans la ville. Contrairement à celle de la Rage, qui est vraiment sur un rongeant. Ça, c'est la Rage. Alors, ce qu'on voit en haut, c'est la Médina. Et ça, c'était sa limite naturelle entre la Mira et la Nouvelle. Le quartier espagnol est arrivé juste en face. Vraiment, à quel point on a eu une petite attention à l'intérieur du quartier. Ça, c'est un espace qui vit dans la Médina, qui constitue en réalité également une sorte entre les deux tissus également. C'est l'actuel sens. La place d'Espagne, comme on le voit, c'est plutôt ovale, parce qu'il faut un autre bout de cette même place, qui a été dernièrement restituée à l'identité. Ça, c'est vers la mer, de la place ovale, on va dire, vers la mer. Alors, un petit mot sur l'architecture de ces tissus. Évidemment, c'était aussi l'époque de ce qu'on peut appeler l'arabe islande. Mais certains chercheurs comme Palacio, qui est un anthropologue espagnol, ils parlent d'andalousisme. C'est que justement, la particularité de l'arabe islande espagnole,
qu'elle était voie, ce qui se passait dans la zone française, qui, où le débat se concentrait à réinventer un modèle idéal d'une architecture marocaine. Pour les Espagnols, ce débat n'existait pas dans la mesure où ils se référaient à leur propre passé musulman en Espagne. Et justement, ça va coïncider avec une mise à l'honneur de cet art musulman en Espagne. Sachant que l'Espagne, contrairement à d'autres pays, notamment la France, voire l'Angleterre, l'Espagne c'était un des seuls pays qui prétendait que ce style était son style national. D'ailleurs, c'est comme ça que je présentais ces pavillons. Voilà, ça c'est le pavillon d'Espagne à l'exposition de Paris en 1878, où on présente ce style comme étant un style national et non pas un style d'apport, tout simplement en se référant à leur propre passé. Le néo-andalou, il était considéré justement par certains architectes comme étant le style approprié pour le Maroc, surtout la tentative de revitaliser la culture et la vie des villes et des monuments à travers l'image. En d'autres termes, on va dire que pour les Espagnols, ils considéraient que réexporter ce style au Maroc n'était qu'une sorte de service rendu ou une dette rendue à une culture qui a perduré finalement 8 siècles en Espagne. Évidemment, la récupération de ce type de langage, de vocabulaire, va donner lieu à quelques lectures superficielles. Au-delà des expositions de la lecture superficielle, une grande partie de l'architecture néo-arabe musulmane au Maroc a été inspirée justement d'une intense recherche bibliographique produite dans les premiers tiers du XXe siècle, pour la grande majorité dans le domaine français. Alors à partir des années 30, c'est un style qu'on continue toujours à produire. Ça c'est juste une petite parenthèse, comme quoi ce style est toujours de production. Ça c'est un bâtiment qui a été démoli et qu'on est en train de reconstruire à l'identique. Là ce qu'on pense de ce genre de pratique. Alors à partir des années 30, l'Arabie saoudite va perdre un peu de terrain au profit d'une épuration de l'architecture. Et à partir de 1944, le style va devenir classique, puissant, monumental, plein de frontons. Alors avant que j'arrive à 1944, on peut dire que l'histoire de l'architecture durant la période coloniale va connaître trois grandes phases. Donc, la première phase, c'est l'arabisation, c'est ce qu'on vient de voir. Une deuxième phase, durant les années 30, où on va voir essentiellement une architecture art déco, avec les deux variantes qui sont particulières à des plans en Espagne, l'art déco qu'on connaît tous, et l'art déco, que les compagnons de Bravo qualifient de zigzag. La Rache. Ça, c'est le marché de la Rache. Ça, c'est la gare ferroviaire, ancienne gare ferroviaire à Bretagne. Ça, c'est la place. Là encore, on a c'est du modernisme. On peut coexister en même temps. C'est de la Byzance. Ça c'est le détail. Ça c'est encore le bon nom de la santé. Ça c'est le style de la céramique. Je disais, on va dire l'architecture, elle va connaître trois grandes phases. La puissance, une fois dans les années 30, qui est caractérisée plutôt par une certaine liberté de créativité. On a eu la production d'art déco sous ces deux formes, le modernisme. À partir de 1944,
on va revenir à un style qui ressemble à celui de l'architecture brésilienne. Évidemment, on était sous Franco. Mais ce qui était intéressant, c'est que nous étions pour la première fois où on va nommer un responsable de l'urbanisme à la personne de Pedro Montolusa. Alors, la question du Lensanché va poser un premier problème. D'abord, Lensanché, il y a un caractère essentiellement résidentiel. Une sorte de l'industrie et de quartier populaire, mais ne trouvaient en principe pas leur compte dans ce type de trace. Et donc, l'état de l'État défavorisé va se poser, qui dès lors va se rabattre sur le quartier populaire. De toutes les manières, Lensanché, c'est une trame régulière où dans chaque bloc on peut avoir n'importe quelle activité, mais c'était en dehors, surtout essentiellement en dehors des bourses, début du mur. Hein. Donc à partir des années, à la fin des années 20, Lensanché, l'extension que l'on va voir dans cette ville, va être remplacée par la ville jardin et la ville du fond. Ce que vous voyez ici, c'est la fuite des jardins, et de l'autre côté, ce qu'on appelle encore l'extension, enfin ce qu'on va appeler l'extension Est. Et on voit déjà le profil de la ville qui commence à s'étirer. Alors cet étirement, il est en état 3 de la fin des années 20, il a commencé déjà par l'implantation à l'est d'un hôpital militaire, où déjà des gens plutôt du quartier informel se sont développés, et à l'est, un hôpital mineur, civil, où également une population. Relativement pauvre, on va dire, s'est installé, et tous les quartiers informels également se sont développés de manière politique et incontrôlable. Donc, dès le départ, on peut dire que la morphologie de la population a été linéaire, suivant deux directions, est et ouest. Et à ce propos-là, déjà à ce stade-là, on pourrait en parler. Ça, c'était Jean-Luc Cohen qui nous rappelait dans une conférence de 2014. Il paraît que ce regard avait proposé une ville linéaire entre ces plans et ce terme. Moi, je ne suis pas sûr de cette information. Apparemment, c'est le dénommé Hilario González qui a fait carrément un projet entre 1929 et 1930 qui relie les deux villes, c'est-à-dire sur 30 km, 40 km, on a une ville linéaire. D'autant bien que pour les amis espagnols, la contribution de l'Espagne à l'architecture de l'urbanisme moderne consiste justement à cette proposition de ville linéaire. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que dans les deux directions, on va aboutir à la création de deux quartiers les plus célèbres de la ville de Tétouan, en dehors de l'extension espagnole, en dehors de l'Ontario, à savoir le quartier de Malaga, le barrio Malaga, qui à son tour a plusieurs quartiers, et le quartier de à l'ouest. Alors si les premiers éléments, comme je vous dis, de la périphérie moderne, des casernes, des hôpitaux, des cimetières, évidemment, malheureusement, il ne va pas tarder à les rattraper. Alors on peut dire que la période de 1913 jusqu'à 1936, elle peut être considérée comme la première période du processus de formation du groupe en Dieu. À partir de 1927, qui est considéré comme la table de la pacification de la région par les autorités espagnoles, un changement va s'opérer au niveau de la politique coloniale. C'est-à-dire que les objectifs militaires vont laisser la place à une prédominance de la logique du développement économique et social. Alors, durant cette période-là, durant les années 30, on va dire, d'importantes opérations. Donc, on va assister à d'importantes opérations de logement social et sans penser à une ségrégation ethnique des populations. Ça, c'est le titre de. Peut-être que la question s'est posée essentiellement après la guerre civile d'Espagne. Ça, c'est le type de logement construit dans les années 30, logement social, pour les Espagnols. Ça, c'est toujours dans le même quartier avec les Blancs. Alors, en 1942, c'est aussi une date très importante pour le développement urbain de la zone espagnole.
dans la mesure où on va mettre pour la première fois un dispositif législatif et administratif global et des plans d'aménagement pour toutes les grandes villes. Donc l'équipe du développeur qui est dirigée par l'urbaniste Pedro, par lequel on a promis la présentation en 1943 du premier plan d'aménagement produit dans l'histoire de l'Espagne, et qui justement reflète les études sur le développement sociologique. C'est celui-là, c'est le premier plan qui est donné dans l'histoire du premier plan d'aménagement produit par les Espagnols. On peut trouver une similitude avec la partie française, sauf que c'est avec une partie française. Alors, la proposition, en ce qui concerne le quartier de la zone, la proposition consiste à la restructuration du quartier informé et la construction de logements pour donner, en effet, un certain temps et une structure à ces quartiers. À la fin des années 40, ça c'est encore Alors, ce qui est intéressant à souligner également à partir de cette date-là, c'est qu'on va avoir les premières cités, que les Français appelaient la cité pour indigènes, c'est-à-dire les premières villes, les premiers quartiers avec des équipements, logements, écoles, etc., dans la partie espagnole. C'est-à-dire qu'on va assister à la première et aux premières ségrégations ethniques dans cette partie-là. Alors, il y a encore là aussi, ce sont deux quartiers, ou plutôt deux opérations assez problématiques, on va dire. Ça, c'est la première, c'est ici, c'est le quartier Garcia Balmo, ou bien, disons, comment ils appellent actuellement, c'est un groupe de 411 logements économiques pour les musulmans. Et un autre, le quartier d'or, dans le cadre de Mouray Hassan, qui fait partie des travaux d'Alfonso de Sierra Ochoa, qui a produit certaines réflexions et des exemples de type de la maison marocaine moderne. Ça, c'est le type de logement que vous avez proposé dans le quartier de Jibotassa. Alors, ce qui est à noter, ce qui retient toujours mon attention, c'est que comparer encore à ce qu'on a fait avec Cochat, parce qu'on peut appeler vous pouvez noter la condition du bâtiment qui est resté au centre. Elle s'approche de la périphérie. Mais elle reste toujours un espace de distribution, et surtout un espace de... Enfin, qui distribue tout l'espace de la maison. Là, on est dans des maisons de 50 sur 50 mètres. Actuellement, elles n'ont pas suivi le plan général de l'entreprise. Il y a des modifications, mais par contre, on a affaire à une de verticalisation. Alors, c'est cette fameuse tradition urbanistique musulmane qu'ils avaient en Andalousie qui va donner ce type de résultat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on était loin de toute nostalgie et de toute référence à l'histoire, en fin de compte, parce que quand même, ce sont des volumes très élevés. Alors, ça va correspondre également à la troisième période qui est dominée par le rationalisme et l'architecture de l'historial. Alors, ce qui est à retenir dans ce type de maison, j'ai repris quatre d'abord, la question de l'identité du logement. Ça, c'est votre quartier, c'est Mouray Hassan. On n'a jamais trouvé de plan masse, le plan masse, qui peut nous renseigner sur l'état, à part ces types de contours et des gens qui avaient publié le Pachevois du Mali. La même chose, on voit toujours un espace central qui distribue l'ensemble de la maison. Alors, Ochoa, il donne la comparaison dans une même parcelle. En bas, c'est le logement pour l'espagnol et en haut, c'est pour le marocain. Évidemment, il dit tout ça par le mot de vie et surtout une certaine notion de la temporalité de la maison. Ça, c'est le. Je disais que lui, contrairement à la partie de qui était très plastique, Ochoa, il fallait revenir à la forme originelle de la maison pour sauvegarder non seulement les quantités de logements, mais également ce qui fait sa spécialité. Toutefois, évidemment, il ne s'agissait pas pour lui d'un quelconque retour en arrière. C'est que la recherche, ce qui caractérise justement le logement, et ça, ça a été mis en évidence, et puis surtout dans la partie française, c'est qu'il n'y a pas de fonctionnalité. Enfin, il n'y a pas de. Les espaces ne sont pas spécialisés.
Et dans la recherche de la polyfonctionnalité, une autre choix est envisagée, pour l'actualisation et la modernisation du logement. Et là, je le sais, une maison où les espaces sont partagés. Une architecture où un grand nombre de ces parois sont réduites, on fait pour une époque qui vit sous le signe de la quatrième dimension, et dans lequel le logement en fonction du temps est susceptible de différencier la ville locale et de les intégrer le jeu. Et les techniques de construction permettent cette mutuelle uniformité interne, un système de conditionnement climatique interne correspondant aux différences. Le retour est d'abord une approche très contemporaine de ce que peut être la maison marocaine. Bien que dans sa forme qui ressemble à une maison traditionnelle, lui il a interprété tous ces éléments pratiquement de manière rationnelle. Donc pour lui, ce qui fait la distinction entre ce logement traditionnel marocain et le logement européen, c'est justement cette polyfonctionnalité. C'est justement ce trait de caractéristique qui est à sauvegarder pour préserver son identité marocaine, tout comme il permet de l'inscrire dans une approche moderne de l'introduction de la question de la quatrième dimension. Conclusion à laquelle sont arrivés des architectes, deux autres architectes municipaux, dans les années 40, et le constat est depuis le fait qu'il était impossible de spécialiser les espaces du logement dans l'enfer. La possibilité est-ce que ces espaces assument une fonction symbolique et non des catégories européennes. L'absence de tout concept de rapport avec le mot foyer, ça les a complètement développés. Dont leur étude qui traite de ces questions, avec suffisamment de sensibilité, ils se sont intéressés à des questions très enracinées, comme la question de la structure familiale, les rapports entre les différents membres, et notamment le patriarche, son rôle ainsi que le besoin de flexibilité de l'espace au vu de la présence d'un nouveau groupe de personnes employées. Ils se sont intéressés également à des questions qu'on pourrait qualifier d'ethnographiques. Donc ils vont étudier la disposition des meubles, la forme et la hauteur des fenêtres, et ils vont aller jusqu'à étudier les produits, les manières de se déchausser à la maison. Donc en fin de compte, ils se sont retrouvés en train d'écrire l'espace européen en négatif. Absence de lieu défini par des mots tels que la salle à manger, absence de tout concept en rapport avec le foyer, absence de tout concept lié à l'espace européen. Deuxième point, dans l'interprétation de ce mouvement-là, pour Ochoa, le patio a été inscrit plutôt dans une réflexion plus globale, à la fois historique, culturelle et géographique. Soit une réflexion qui prend le patio dans le cadre d'une relation logement-environnement. Pour lui, le maintien du patio et de sa suppression doit intégrer ces trois dimensions. Dans ses propositions, lui, il va préconiser également sa conversion en une pièce habitable dans l'usage des patios. Ça, c'est le quartier de la c'est qu'il a introduit également la notion de la verticalité. Non seulement, ils ont dans ce quartier-là, on traite la scène de mouvement de masse, ça c'est ce qui est encore intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de transformations depuis les années 40. Alors le plan original, on voit deux pièces, sur un espace couvert, les transformations vont porter sur l'arrondissement de la cour sur la gauche, et on va refermer la cuisine. Et le reste, on ne va pas le toucher. Un autre plan. Alors pour revenir à. Et comme on le voit, l'équivalent du patio, lui, il se trouve sur la périphérie, c'est-à-dire sur les côtés, ce qui va vous permettre, dans le cadre de la verticalisation de la construction des immeubles, de pouvoir superposer ces éléments-là en ayant un patio. Bien entendu, il n'est plus ouvert sur le ciel, mais il est ouvert sur les côtés pour une question d'animation des immeubles. Comme on le voit sur ce plan-là, car on a des banquettes, donc c'est une pièce qu'on utilise. Thank you.
Alors, en ce qui concerne le rapport intérieur-extérieur, alors, Ochoa, qui était parti sur un jeu de boules, qui articule la masse et l'engagement avec une espèce intérieure, lui, il va limiter la question à une sorte de substitution de la découverte par le morceau, comme on le voit ici, et ça marche, parce que finalement, regardez les gens, qu'est-ce qui se passe là, ça devient une sorte de boule intérieure. Et il va aussi passer par la solution de l'impasse, notamment dans ce quartier-là, et dans l'autre quartier qu'on a vu au départ. Donc ce sont deux outils, deux moyens avec lesquels on cherchait l'articulation avec l'espace extérieur. Là, on voit l'immeuble, on rappelle que la façade, à part les quelques trucs qui ont été rajoutés, ça c'est l'impossible. Il n'y a pas de jeu de volume qui annonce une quelconque articulation à l'immeuble de ce qu'avait tenté de faire Henri. Là, on est, c'est la barre. Alors, pour finir, on a. Donc, la question de la verticalité. Alors, continuons, on va partir d'un constat que je trouve un peu tiré par les cheveux. Voilà comment il a conçu. Ou plutôt pour moi, il est amené à imaginer que le Marocain pouvait habiter en hauteur. Donc il part du constat que la médina tétouante est construite sur un terrain sans qualité dénivelée, sans aucune intervention, et l'accès au logement se faisait soit par une galerie couverte, soit par un escalier. Et donc partant de là, je résume dans ce schéma, il propose juste de changer l'angle en accentuant et d'adopter un angle de 90. Et ensuite, il suffit de superposer les maisons et d'y accéder verticalement par des coursiers. Pour ma part, je trouve que le raisonnement n'est pas très sérieux. Mais ça a fait une donc, c'est le donc, cette solution va conduire, bien entendu, à la suppression de ces ouverts sur le sol et de son déplacement sur la façade latérale. Alors la seule question à laquelle il apparaît répondu, c'est est-ce que justement ce type de cohabitation dans un logement collectif pouvait correspondre, on va dire, au Marocain. Pour ma part, vu les résultats, si. Alors là, c'est un exemple de ce que pouvait être la première intervention. Le premier projet, construit pour les Marocains dans les années 20, c'était pour des militaires. Ça, c'était le logement de la maison qui était proposé. Et là, on voit déjà encore les réminiscences de la maison plus grande, notamment avec cette espèce de transition entre la pièce au fond et le petit bain qui en passe. Alors, au début, on va dire que ça s'est pas fini. Au début, les Espagnols se sont contentés uniquement d'opérations de repos. Contrairement aux Français, dès les années 20, on a commencé à construire des cités pour un échec. Les Espagnols, ça n'est que dans les années 40 qu'ils ont réalisé ce que c'est. Ça, c'est le manteau de quartier de la personne, ça, c'est le domaine qui était encore un autre aussi. Ça, c'est le sens du blanc et de l'eau. La source qui sont finalement. Ça, ce sont des études avec Choa, dans le sens où, en fait, il y a eu le motif d'une démonétisation à partir de ce alors un petit mot avant de conclure, c'est que justement, malheureusement, ces deux opérations témoignent aussi d'une certaine rupture avec la ville. C'est que malgré le discours affiché, qu'ils étaient proches des Marocains, qu'ils avaient une tradition urbanistique marocaine vivant chez eux,
Les deux opérations, quand même, ont montré que ces deux ensembles étaient complètement excentrés, et surtout isolés et pas importants dans la vie. Reproche qu'on pourrait faire même à l'urbanisation française. En conclusion, là, ce que je montre, ça, c'est le premier. C'est dans les années 40, et c'est le premier projet d'expansion vers la ville de Martigues. Et qui était, enfin, du coup, dès le départ, imaginé comme étant une ville de loisirs. Donc la logique de la croissance de la ville de Tétouan, elle peut être comparée à juste titre à une véritable linéaire, non pas orientée vers l'ouest, mais vers l'est, vers la Méditerranée, à la recherche d'un emplacement idéal pour le jardin. Et en même temps, cette direction-là, elle l'approchait de la ville. Donc, on peut dire, c'est que justement, c'est cette urbanisme linéaire qui est l'une des caractéristiques de la ville de Tétouan, et qui, comme on le voit ici dès les années 40, ça ne s'est pas passé parce qu'il va se passer actuellement. Pour reprendre l'expression de Jean-Luc Gorel, la ville de Hilario-González, c'est ça qui a été projeté dans les années 29 et 30, en fait, c'est la ville qui est faite actuellement. L'été, c'est une ville qui va de Tétouan jusqu'à Sétard, tous les embouteillages et tout le monde. Et je vous remercie.